Pourquoi il n'a pas su que c'était une couronne de résine? Voilà. Là, c'est normal, mesdames. Là, c'est normal. Partagez, les gars, comme des petits bouts de pain, là. Partagez, là. Venez voir. On atteint 10, je lance. Même 20. C'est n'importe quoi, ça. Partagez comme la première page, parce que vous étiez nombreux, il y avait déjà 100 partages en une minute. Malox, ta page elle nous servait à quoi? Ta page nous servait à quoi? Franchement. Malox, ta page là, que tu cries là, ça nous servait à quoi? Quand tu viens, tu donnes les ultimatums aux gens, ça nous servait à quoi? Franchement, ta page là nous servait. Attends, j'ai envie de mettre ta vidéo. Ta page là nous servait à quoi? Ça servait à quoi aux Camerounais? Jusqu'à ce que tu viens nous empêcher c'est la rentrée. Tu oublies ce qui se passe au Cameroun. Tu oublies Samy, le noir, la justice. Tu viens pleurer ta page. Vous êtes même normal. Toi-même, tu es même normal dans ce pays-là. Vous êtes même normal. Ta page, la servait à quoi? J'ai envie de mettre ta vidéo où tu menaces des gens. C'était même où encore. Ouais. Franchement, ta page, nous servait à quoi? Ça, c'est la comédie, ça. Ça, c'est de la comédie. Je cherche ta vidéo, là. Cherche ta vidéo. J'étais où, là? Qu'est-ce que j'ai dit? J'étais où? Voilà les gens qui sont, voilà la justice dans son pays. Tu ne parles pas de la mort des blogueurs. Tu ne parles pas du mec qui est en danger. Tu ne parles de personne. Tu viens pleurer tes millions de vues. Tu viens pleurer. Ça servait à quoi au Camerounais? Franchement, ta page là servait à quoi au Camerounais? Si tu veux, tu peux pas demander qu'on bloque la mienne. Ça ne me sert à rien. Mais c'est le qui ça, non, mon frère? Ou même sa page là? Ou même sa vidéo là? Oh. Même sa vidéo là.
Partagez ça, les gars. Screenshot. C'est le roi. Non, c'est pas ça ici. Bonjour, mon étoile de luxe. Quand je lance ici, je peux prendre des caméras. Je vois les caméras, mais quand je lance ça ici, il n'y a pas de caméra. I don't know what the fuck is going on. Tu viens nous parler des tapages qu'on a piratés. Sérieusement? Tu es sérieux là? Mettons un peu ce qu'il dit. Nalox le quoi? Salut Cédric, salut. Merci, continuez à vous abonner, de partager mon nouveau compte. Voilà ce compte pro. Et donnez-moi une minute. Te donne rien. Fuck. Voilà. Je voulais dire aujourd'hui que j'allais faire un direct pour parler d'une situation que j'ai vue là. Moi-même, ça va dépasser. Un petit frère. À l'école pour inscrire ma part de délinquants, je tombe sur un petit frère là-bas. Il ne veut pas lui aller à l'école. Je vois l'agitation devant que ses rois. On me dit que le petit ne veut pas aller au school parce qu'on ne vient pas payer la tchaka qu'il veut. C'est quand on va à la tchaka, comment les parents, aussi on est dans un mouvement où le corps enseignant veut pour le petit qui va aller à l'école, je vois les parents. Pardon, on va t'acheter ça la semaine prochaine, pardon, pas d'abord à l'école, pardon. Il dit que non, Zor, ne descends pas de la voiture, je ne vois pas. J'ai vu ça, il dit que mais, mon cœur a chauffé. Mon cœur a chauffé. Il joue avec l'école, il ne voit pas ce que c'est. C'est nous, on n'a pas trop school, hein. On n'a pas trop school, mais il faut qu'on vous dise la vérité, parce que c'est ce qui manque aux soins. Mais même avant d'arriver, même au niveau de l'école, les gars, partageons, on est en train de signaler. Monsieur Kadoen, toi, je n'aime pas la fausse modestie. Les gars, ils sont en train de signaler. Je ne demande pas la pitié aux gens. Je suis au sol, sur Facebook, mais je vais me relever. Je ne doute pas du fait que je vais me relever. D'abord, je reçois les menaces tous les jours, les attaques depuis des mois. De certaines personnes, les attaques, les menaces, tous les jours. On essaie de pirater mon compte tous les jours. Oh, Malox, on va te faire ci, oh, Malox, on va te faire ça, tous les jours, sur mon compte. Oh, on va venir au gouvernement faire ça, on va venir au gouvernement faire ça. Je reçois les attaques et les menaces tous les jours. Ils ont réussi, par le compte des administrateurs, à entrer dans la page et ils ont enlever tout le monde, admin, supprimer les, changer les mots de passe, tout ça. Ici les cœurs, mettez les cœurs, on va vous dire tout ça ici. Ils ont pris le contrôle de ma page. Pendant que je mets les gars pour contrôler, chercher le moyen d'entrer et gérer le retour. Parce que je vous dis, hein, moi je vais vous dire clairement, ce n'est pas un truc qui va appeler le lien. On va pas appeler le lien. Quand les gars vont gérer la page là, ils vont trouver. Parce qu'elle a demandé deux choses, récupérer la page et trouver la personne qui est derrière le piratage. Récupérer la page et trouver la personne qui est derrière le piratage. Et cette histoire-là, je n'ai pas passé, on va gérer ça en bandit, non. Ce n'est pas une histoire qu'on va partir au nier. Mais quand je parle comme ça, quand la personne qui est derrière la page, là, ça va plus 10 ans. 10 ans pour avoir la page, là, il dit 10 ans. Et j'ai la page depuis 10 ans. Et je gère la page depuis 10 ans que j'ai la page, il y a des abonnés. Il y a tellement que je savais
Et je ne les ai jamais vus avec les yeux, que c'est comme si c'est ma propre famille. J'ai tellement échangé avec eux. J'ai tellement vu leur nom, là, ces gens, pendant plus de 10 ans, que c'est comme si c'est ma propre famille. Comme ils ont décidé de me couper de 10 ans de ma vie, de 10 ans de ma vie, et des gens que je considère comme ma famille, qu'ils sachent qu'on ne va pas gérer ça au mien. Comme ils sont sur la page là, qu'ils soient sûrs qu'on ne va pas les retrouver, parce que quand je vais retrouver un, il dit un, je ne parle pas d'un seul. Un seul. Il n'est pas besoin de trop bavarder ici sur les réseaux. Quand il va retrouver un seul, on va gérer ça comme ils veulent qu'on gère. Moi, j'ai les moyens et la capacité de gérer ça. Il ne sait pas sur quoi eux comptent. Il ne sait pas qui est derrière. Mais quand je vais retrouver un, ça va devenir ce qu'ils veulent que ça devienne là. Quand je me retrouve dans une position où on a piraté mon pont, je suis au sol. Les gens croient que je suis devenu un mendiant. Je ne suis pas un mendiant. Je tiens à dire ça à certaines personnes. Je suis malhonnête, c'est ma fierté et ma dignité. Je ne suis pas un mendiant. Et je ne m'amène pas le mépris pour une histoire d'abonnement. Papa, le Cameroun, c'est le Cameroun. Je ne m'amène pas à certaines personnes. Je ne m'amène pas le mépris pour une histoire d'abonnement. Je suis au sol, mais je vais me relever. Je ne doute même pas. Il y a d'abord les fans fidèles. La résistance, ce n'est pas les fans modèles, c'est les fans fidèles. Ils savent ce qu'ils veulent. Bon, je vais pas perdre le temps à écouter ce gars à Paris. Malox, Malox, c'est pas l'affaire que tu montres ton doigt, tout ça, tout le temps là. Mon frère, toi tu as dit que tu es dans la famille. Tu es dans cette famille là depuis. Et tu joues avec le cœur, les organes des Camerounais. Depuis 10 ans que tu es là, qu'est-ce que tu fais pour les Camerounais? Tu ne fais rien. Tu ne fais rien avec, tu ne faisais même rien avec cette page. Tu viens au début de ta vidéo, tu parlais d'un enfant qui ne veut pas aller à l'école. Tu cherchais à savoir si cet enfant-là, quelle éducation cet enfant-là aura dans cette école. Tu as cherché à savoir si cet enfant-là aura une bonne éducation. Non. Mais parce que tu veux. Tu veux faire une transition pour montrer que tu es allé à l'école. Bonjour, Georgette. Mais Malox, tu blagues avec les Camerounais. Ta page ne servait à rien du tout. Ta page ne servait à rien. Et tu viens nous raconter comme si tu ne connais pas ceux qui sont derrière cette page. Mais mon frère, tu connais. Tu connais ceux qui sont derrière cette page. Tu connais bien. Ce qu'on a fait aux autres, c'est ce qu'on est en train de te faire. Bon, tu étais content avec le boivement, machin, boivement. Tu étais content que les autres soient en train de périr et puis toi, tu maîtrises. Tu maîtrises. Tu as MTM à toi. Quand on disait avion là, tu es venu casser tout, mon frère. Nous, on connaît le système là. C'est ce jour aux États-Unis, c'est le même système au Cameroun. Non, on ne joue pas dans la cour là. Le Cameroun, là, ce n'est pas ça. Ne pense pas que tu avais le monopole. Comme quand tu fais, tu montres le doigt comme ça au Camerounais, là. Tu n'as pas le monopole, là. Tu ne connais même pas ce système. Parce que tu as tendance à dire que tu connais ce système-là. Tu ne connais pas ce système. Voilà Eto. Eto est parti dans ce système. Croyez qu'il connaît ce système. Il ne connaît pas. Gâteau est parti. Cabrel est parti. Dans ce même système, ils ne connaissent pas. Tu viens, tu parles, tu donnes les gens comme si tu ne connais. Tu connais ce système. Tu joues avec les Camerounais. On a vu ton corps. On a vu ton corps pendant le avion là. Mettez ça ici. Ou quoi avion. On a vu. Tu viens de supplier les Camerounais de s'abonner à ta page. Quand ils avaient les problèmes, tu n'as rien fait. Qu'est-ce que tu as fait aux Camerounais? Les gars, on signale. Les gars, ils sont en train de signaler. Mettez les queues. Ils signalent. On est toujours en train de me signaler, mon frère. Eh, là, si j'y sors, tu les verras. Malheur, tu fais quoi avec les Camerounais? Tu veux jouer avec le cœur des Camerounais? Tu fais semblant. Tu fais semblant. Ma chaîne avion, là, on a su qui tu étais. Ouais, Agnès Facebook, mon frère, c'est pas vrai ça. C'est quoi ça, non? Oh.
Quand vous allez lui nanger, c'est même des quelles histoires ça. Quand tu veux parler un peu, on veut te signaler. Paf, tu vas aller dormir, hein. J'ai pas autant, je suis en train de faire un direct. Partagez les gars, partagez, partagez. Mettez les cœurs, mettez votre pouce là-bas pour que ça donne des cœurs. Oh. Il est 1h du matin, je suis en train de négocier. Les gars, on est en train de signaler. Merci Marie, mot d'avion. Tu viens menacer les Camerounais, tu dis que tu n'es pas, tu ne connais pas, tu connais la personne. Tu connais les gars qui font ça. Tu connais les gars, chacun a son tour chez le coiffeur, man. Chacun a son tour chez le coiffeur. C'est ton tour. C'est ton tour. Vous ne blaguez pas avec ce système. C'est vous qui jouez avec ce système. On dit que les survivants seront fous. Les survivants de ce système seront fous. Voilà, Etoké est venu, il est entré dedans. Toi, tu es là, tu joues. Dans un temps normal, ton boivement là, serait fermé. C'est parce qu'il y a deux camps. En temps normal, c'est fermé. En temps normal, c'est fermé. Tu fais quoi là? Tu fais quoi de cette jeunesse? Tu parles de quoi de cette éducation? Les professeurs ne sont pas payés. Hein? Les professeurs ne sont pas payés. Tu parles là à la rentrée. Tu viens pleurer. Tu viens nous détourner. Tu viens nous détourner de la réalité. Tu viens nous parler des histoires de Facebook. Hein? À une jeunesse, un peuple que tu n'as pas pu supporter, quand il fallait le supporter, tu viens demander qu'on s'abonde. Quand je vois les soutiens qui viennent de partout. Et quand on veut te soutenir, tu viens dire que oh, je arrête quelqu'un. Tu vas arrêter qui? Tu connais ces gens-là. Tu connais les gens-là. Tu connais les gens. Ne fais pas comme si tu ne les connais pas. Tu les connais. C'est comme ça le système au pays. Ce n'est pas un Camerounais qui peut pirater à ce niveau-là. Ce n'est pas un Camerounais. Vous connaissez comment vous piratez. Vous connaissez comment vous conditionnez les Camerounais. Vous connaissez comment vous conditionnez les blogueurs. Tu connais ce système. Ne viens pas faire comme si tu ne connais pas. Mais arrête de nous embrouiller, c'est la rentrée. On va montrer des choses comme ça. Arrête de nous embrouiller. Mof, arrête de nous embrouiller. On va montrer des choses comme ça. Hmm? On va montrer des choses comme ça. Voilà l'école. Rentrée scolaire 2023-2024, Camouest Cameroun, une reprise effective à plusieurs vitesses et facettes, surtout dans les écoles et établissements situés dans les arrondissements de Babadjou et Galim, dans le département des Bangoutos, Koptamo et Foumbo, dans le département du Nord, des zones en proie aux attaques sécessionnistes, kidnapping, incursions armées. Sur le ton de la rente et étonné, avait repris des cours par endroit. On note la présence du personnel enseignant et administratif en zone rurale. L'effectif des élèves en ce premier jour très faible. Ces derniers encore dans les champs pour la recherche du gain au travers de la culture du haricot. Je suis satisfait. Satisfait tout d'abord pour l'effectivité de la rentrée scolaire, surtout avec les enseignants qui sont en place, qui ont pris les cours et qui ont commencé à enseigner. Tour dans les salles de classe, conseil, entretien, avec les différents maillons qui ont meublé chaque étape. À Foumbot, comme à Galim, nous apprécions la présence des déplacés internes, comme à Babadjou, au lycée bilingue de Babadjou, qui ont été intégrés et ils sont en train de faire des cours. À Galim, j'ai constaté que presque la moitié, les élèves là-bas à l'école publique sont les ressortissants du département de Nkokitunja. Dans l'ensemble, pas d'incident observé dans ces zones à risque. Le train de la rentrée a véritablement quitté la gare. Tu es où vous parlez? Tu viens nous parler de ta page qu'on a piratée. Tu vois, tu ne sais même pas que la guerre continue au Nezo. Hein? Tu ne connais pas que la guerre continue, va les écoles vides. Les campus et salles de classe déserts, les tableaux sont restés vierges en ce jour de rentrée scolaire. Lundi, jour de ghost town, les élèves ont préféré l'école buissonnière, évitant de susciter le courroux des séparatistes qui semblent dicter
la loi. Les menaces brandies par ces derniers, les jours plus tôt, ont eu leur impact. Même les commerces n'ont pas ouvert non plus dans les espaces marchands de la capitale régionale. Seules les forces de maintien de l'ordre sont aperçues. C'est le cas à l'hôpital Randamount et d'autres carrefours populaires de Bamenda. Pendant la journée, elles ont procédé à l'identification de quelques conducteurs d'engins à deux roues qui se dévouent au transport des malades et autres courageux. Depuis plusieurs années, la vie académique est perturbée par la crise qui sévit dans cette région du pays. Mettez le cœur, les gars, mettez le cœur ici. Maintenant, quand je ne parle pas de malheur, on ne met pas, on ne signale pas. Quand je parle, les gars, du vrai problème, on laisse. Quand on tient les gens, les bandits. Voilà ça. Je vous, chez les francophones, tout va bien. Tout va bien. Mais c'est comme si rien ne se passe au Cameroun. Aucune nation au monde n'a encore connu une évolution réelle avec le mensonge, la mauvaise foi et la manipulation de l'opinion. Il y a un temps pour la campagne électorale où on peut raconter des choses infondées juste pour plaire à la population et escroquer son vote. Il y a un temps pour la gestion de l'État, c'est-à-dire résoudre les problèmes de la population à partir de la réalité sans langue de bois. Mais au Cameroun, il n'y a pas ce distinguo. Les gens continuent de mentir comme il n'est pas permis. Les gens continuent de se comporter comme s'ils étaient toujours en pleine. Quelqu'un dit qu'on se régime. Je ressemble à ma soeur comme deux gouttes d'eau. Deux gouttes d'eau. Et sa soeur vient, tu revois sa soeur. C'est une goutte de sable. Deux gouttes d'eau. Les gens mentent comme si. Les gens mentent comme si. Franchement, continue. À l'occasion de cette rentrée scolaire, c'est des tonnes de mensonges qui sont encore produites. Ils vous disent que tout va bien, tout est ok. Or, au fond, ça bouillonne, ça continue de bouillonner, ou alors le bouillonnement est en gestation. La rentrée scolaire croupit sous le coup de plusieurs tensions, mais ils vont croire à l'opinion que tout va bien. Ce sont des oiseaux de mauvaise augure, les déstabilisateurs qui veulent juste faire de l'agitation. Tout ceci, lorsqu'ils réalisent qu'ils sont mis à nu, ils sont en train d'être mis à nu, ils sont pris la main dans le sac, en pleine manipulation flagrante des masses. D'abord, ils vous disent que la rentrée serait effective sur l'ensemble du territoire national, donc dans toutes les localités des zones anglophones, qu'il n'y a plus d'insécurité là-bas, tout a été maîtrisé. Or, c'est faux, pur et simple mensonge. Ils savent pertinemment que plusieurs zones sont encore sous la menace des attaques. Ils savent que plusieurs localités n'ont pas encore connu le retour des populations. Ils savent que dans plusieurs localités, les responsables administratifs, élus locaux et chefs traditionnels sont encore obligés de vivre hors de leur localité. Qu'il n'y a pas de retour à la normale dans certaines localités. Mais des gens font le choix du mensonge. Ensuite, la menace des enseignants de l'ODS qui continue de peser. Les gens incapables de gérer une petite revendication sociale comme celle-là vous disent que tout est ok. Les enseignants ne projettent rien. La reprise serait effective partout. Tous les enseignants seront en salle, tout en joie. Le président de la République a fait ci, il a fait ça, il est monté, il est descendu. Pourtant, de gros menteurs, manipulateurs, parce qu'à la réalité, les enseignants de l'ODS ont maintenu leur mot d'ordre de grève et comptent boycotter de manière passive cette rentrée avec l'opération École Morte. Ils comptent être tous en noir. Contrairement à la grosse manipulation de ceux qui veulent toujours tromper, les partisans du tout va bien. Pourtant, il y a péril. Les enseignants qui souscrivent au mouvement de contestation et de revendication sont déterminés. Et ces gens le savent depuis. Au lieu de prendre. Mettez les cœurs, les gars, mettez les cœurs. Désamorcer la tension, ils sont restés insensibles, indifférents, en attendant la menace de grève pour raconter des inexactitudes d'après. Le 25 août dernier, le premier ministre a déchargé le préavis de grève du Bureau national de coordination du mouvement ODS avec des signatures des enseignants identifiables. Depuis lors, en lieu et place d'une réponse,
on a plutôt servi des manœuvres de manipulation de l'opinion. On attend, comme la dernière fois, à envoyer les sous-préfets et gendarmes aller menacer les enseignants dans leurs établissements et devant leurs élèves. Ils attendent que le mot d'ordre de grève soit largement suivi pour poser la responsabilité sur l'opposition ou accuser ceux qui attirent leur attention sur leur mauvaise foi légendaire qui consiste à faire recours à la duperie, les fausses promesses et la propagande pour éviter de résoudre les problèmes des Camerounais dans le fond. Et le mensonge le plus flagrant, c'est lorsqu'ils chantent partout que l'État, le gouvernement a déjà répondu aux lamentations des enseignants et qu'il n'y a plus rien à revendiquer. Ils font référence aux solutions mesurées engagées contre leur cré et sous la pression juste pour calmer la grogne en 2022 et tuer les enseignants à nouveau. Peut-être vous vous souvenez encore du professeur d'éducation physique Amidou. Mettez les cœurs, les gars, enseignants. Mettez les cœurs. Département du Faro, région du Nord, décédé le 8 mars 2022 en plein mouvement ODS après avoir passé 10 ans sans mal. Sans salaire. Est-ce que vous savez que jusqu'ici, il n'est pas rentré dans tous ses droits, malgré tout le tapage médiatique de ces gens? Certains de ses collègues ont dû organiser une quête afin que ses enfants puissent être inscrits cette année. Et la grosse ruse de ces gens, c'est la manipulation de la progressivité. Dès qu'ils ont déjà dit progressivement, considérez que vous venez d'être arnaqué, que vous venez d'être frappé. Où est la promulgation du statut de l'enseignant révisé? C'est dans la progressivité. Où est le paiement effectif et total du complément salarial mensuel? C'est aussi dans la progressivité. Où sont les rappels relatifs aux avancements et reclassements des enseignants? Là-bas, c'est un autre au niveau de la progressivité. Entre-temps, l'État doit encore l'argent des rappels des avancements aux promotions de 1980. C'est-à-dire ouais. Qu'il y a encore des enseignants qui n'ont pas toujours perçu leur argent depuis 43 ans. Nos gens sont simplement formidables. Vivement, un colloque national sur le thème « Un enseignant mieux préparé ». 43 ans. Enseignement de qualité. Tu veux me parler de 10 ans. Hein, Malox, ta page la servait à quoi? Tu as suivi tout ça? Ça, c'est la voix du citoyen lambda. Ta page, elle servait à quoi? Tu viens nous détourner des réalités. Ta page, elle servait à quoi? Rien. Rien. Ta page, elle ne servait à rien. Tu viens nous raconter que tu viens nous détourner comme si tu ne connais pas ce qui sont derrière ta page. Tu connais ce qui sont derrière ta page. Tu connais comment ça se passe dans ce système. C'est ce système-là, tu payes. On ne court pas dans la cour des gens. On ne court pas comme ça parce que tu courais. Tu courais comme si tu contrôlais. Tu viens montrer le doigt aux gens, tu grondes les gens comme si c'est. Mais je dis, les Camerounais sont tes enfants. Le Camerounais que tu dois là, c'est ton enfant. Parce que tu penses que. Mettez le cœur, les gars. Mettez le cœur, on signale. C'est trop grave. Maintenant, on va entrer sur la vraie, le vrai problème, c'est Oha. Tu étais où? Tu es là, tu te calmes. Ton tour arrive, mon gars. C'est chacun à son tour. C'est chacun à son tour. Voilà Samy. Voilà le petit Samy. Qu'est-ce que tu as dit de ce Samy? Qu'est-ce que tu as dit? Voilà le mensonge. Voilà le mensonge qu'on a arrivé. On est arrivé, on a torturé l'enfant de Truy. Tout ça là. Il y a les vidéos comme ça qui arrivent, qu'on a vu dans le iCloud. Ce n'est pas carrément. Ce n'est pas elle ça. Le jour comme ça, vous mentez. Vous n'avez même pas honte. Le jour comme ça, vous mentez. Ouais. Voilà les mensonges du Camerounais. Le Camerounais, c'est des menteurs. Hein? Elle dit que moi, soeur et moi, on ressemble à deux gouttes d'eau. Elle ment en plein jour. Elle ment, tout le monde regarde. Ce n'est pas carrément. Il y a d'autres photos qui vont venir. Vous allez souffrir.
Je laisse souffrir. Je laisse seulement souffrir. La justice de ce gars. J'ai vu comment elle est en train de crâner parce qu'elle est partie à... Parce qu'elle a traversé le pont. Même là-bas, on va te retrouver, ma soeur. Même là-bas, on va te retrouver. Même là-bas, on va te retrouver. Même là-bas, on va te retrouver. Même en Turquie, on va te retrouver. Je dis que, est-ce que vous savez que moi je ne sors pas quand quelque chose n'est pas vrai? Vous-même, vous savez, avec moi-même, mon rang social d'abord. Partagé. Ma dignité d'abord. Moi-même, le respect pour ma même alors ça dit ça. D'abord. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas une influenceuse. Je ne suis pas une blogueuse. Mais à partir d'aujourd'hui, je serai dans Facebook. Je vais vous donner un numéro que, quand il y a un problème qui ne va pas, parce que vraiment, c'est un désordre absolu, en fait. Je vois que les gens se permettent du n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'ils sont en face des gens qui ont faim. Donc ils auront en face d'eux une femme qui n'a pas faim et qui n'aura jamais faim depuis le jour qu'elle piétine la terre ici. Donc il n'y aura jamais un agent qui va acheter mon silence. Je vais vous donner un numéro sur Facebook. Un problème, que ce soit femme, mari, n'importe quel problème social, vous me communiquez le problème là. C'est moi qui prends les problèmes maintenant là sur Facebook. Mais c'est quoi ça? Je rêve ou bien c'est quoi? Vous allez corrompre, vous allez pour pas se corrompre tout le monde parce que vous avez le pouvoir. Conrad et sa femme, vous insultez l'enfant jusqu'à ce qu'elle ait supervision. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Donc Karine Mongo a fini de tuer l'enfant. Elle voit que c'est derrière va passer pour donner l'argent aux gens. L'enfant refuse d'aller se coucher à l'hôpital parce qu'elle a peur qu'on va la tuer. Karine Mongo, on cherche la chevelure sur la petite lame. Le problème c'est quoi, Solange? Le problème c'est que ce Conrad et sa femme, c'est des gens qui mangeaient déjà sa... Le problème, c'est quoi? On signale, là, mettez les cœurs, les gars. Ils signalent, ils coupent ça. Le problème, c'est quoi? Conrad, cette boss lady, elle était déjà, elle corrompait déjà ces gens-là. C'est tout à fait normal. On est passé par là, les gars. On est passé par là, on avait un gars que riche. Le gars que, quand on demandait, quand la grande soeur demandait, le frère demandait, l'argent sortait, ça partait comme ça. On connaît tout ça. Je vous ai dit depuis le début ici, que l'affaire ici, c'est une affaire de trois. J'ai créé le nom du film, Amour Fatal à Kribi. Je vous ai dit ça ici, avant tout le monde. J'ai mis le nom du titre du film. Voilà même que Obsession, le parfum. Je sais que le direct est signalé. Voilà même que Obsession, le parfum est déjà sorti. Obsession. By Samy. Elle ne veut pas dire ça. Voilà même que le parfum est sorti. Obsession. Elle était obsédée. Vous ne comprenez pas quoi. Le gars a été tapé dans un... Là-bas à la maison. On nous a tout donné les informations jusqu'à ce que il y a eu des gens qui sont venus. Si c'était cette affaire-là se passait dehors, on filmait. On a tapé le gars dans la maison. J'ai même compris l'affaire de oh, on l'a menacé que on va te donner ceci de partir. Laisse. Vous n'avez pas compris les relations que on te donne l'argent que le mari donne l'argent que laisse ma femme. Ou bien la femme laisse. On te dit que voilà. Voilà 1 million, 2 millions, 5 millions, que quitte le pays même, quitte les relations, tu es en train de nous gâter. Parce qu'il y a une obsession. Vous ne comprenez pas quoi. Mettez les bouts together. Mettez les bouts together. Donc, il y a une obsession. On te paie, on te bastonne. On te fait venir. On l'avait déjà chassé. On le fait venir.
On lui dit, on le prend dans le guet-apens, là-bas à Kribi. Là-bas à Kribi. On le prend sur le guet-apens, là-bas à Kribi. Oui, c'est comme ça qu'on a fait. On l'a tapé que dans la maison. Dans la maison. Il n'a jamais dit ce genre. On l'a tapé dans la maison. Les gens, il y a des voisins qui nous ont appelés pour nous dire tout le film. Qu'il y avait un bruit là-bas. Mais il n'y a pas de cellule. L'accident là n'existe pas. L'accident là n'existe pas. On appelle presque tous les jours. On cherche la chevelure, donc une seule graine de cheveux sur cet enfant-là. Ce que tu vas comprendre que nous aussi, on connaît le dehors. Ce qu'on va te dire que nous, on ne traite même pas avec le Cameroun. Non, non, ne m'appelez pas maintenant. C'est pas maintenant. Tu arrives tous les jours. Tu fais des vidéos. Tu fais des vidéos tous les jours. Parce que tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Ce n'est pas maintenant. Tu n'es pas tranquille. Ton cœur te juge. Tu n'arrives pas. C'est comme quand tu prends le... Il y a un coup qu'on appelle... Il y a un coup qu'on appelle ecstasy. Non, non, pas ecstasy. Sativa. C'est le genre d'un coup que quand tu prends, hein, tu veux travailler, tu peux laver toute la maison. Donc, elle est longue. Elle prend un coup là que... il faut faire les laves. C'est tout. Tu peux nous parler, monter les voitures, ma soeur. Quand tu es mort, on est en train de t'accuser. Parle encore des choses, de tes produits qu'on ne sait même pas si on achète là. Je n'ai jamais vu une fille qui a dit qu'elle a acheté ça. Tu viens nous parler, tu viens nous acheter les voitures, tu viens nous naguer avec les voitures. Toi, c'est qui? Who the F are you? Toi, c'est qui? Tu es la plus riche du Cameroun? Toi, c'est qui, franchement? Toi, c'est qui? Tu veux nous montrer les voitures de 30 millions de francs CFA, 30 000 dollars aux Camerounais. Tu connais ce que nous on conduit ici? Ta personne, ton prestataire de service, celui qui te prestait le service. Nous, on a fait ça, Karine. Nous, on a fait le boulot là. Voilà. On a fait ça. Donc, on connaît ça. C'est pas la fait que vous l'avez tapé, vous l'avez voulu lui fermer la bouche, vous avez voulu lui dire que bon, voilà. Voilà tel montant, laisse la faire ici. Il a dit non. Même en laissant, même. Le gars, apparemment, m'a voulu laisser. Mais vous avez dit que jamais la fête, je vais sortir d'une manière ou d'une autre. L'affaire, elle devait sortir. Maintenant, vous vous levez quand ça arrive. Parce qu'il y a un autre clan. Hein. Il y a un autre clan. Vous ne contrôlez pas le Cameroun, là. Vous ne contrôlez pas, c'est que Malox ne sort pas aujourd'hui pour pleurer qu'on a pris sa page. Parce que Malox croyait qu'il avait le Cameroun là, avec MTN, il croyait que c'est lui. Non. Ou alors Eto croyait que c'est le pays là, c'était pour lui. Le pays là, c'est la jungle. Donc maintenant, quand c'est sort, ça, il y a un côté qui s'est levé qu'aujourd'hui la justice pour Samy, elle a pris la rue, ils ont pris la rue de la Turquie. On s'en va, c'est la rentrée. Rentrer, on voit. Rentrez, on voit. Vous aimez hier. Rentrez, on voit. Après la rentrée, rentrez, on voit. Rentrez, on voit. Il y a deux. Même dans le gouvernement, je dis le gouvernement, là, il y a deux clans. C'est que Martinez n'était pas mort. C'est que Martinez n'était pas mort s'il n'y avait pas deux clans. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas enterré Martinez. On ne va pas enterrer ce Samy-là. On ne va pas l'enterrer s'il n'y a pas de justice. Vous allez nous sortir tout. On a les iCloud. On a les photos. On a les vidéos. Ce que vous avez montré, vous avez dit que oh, ce n'est pas elle-là. On a ce qui est même pire que ça. Qu'on va montrer ça à la justice. Voilà. Tu as
venir venir justifier. Oh, je n'ai jamais fait la part tous. Je n'ai jamais fait la part. Mais quand on va te montrer les photos, là, tu vas faire quoi? Ah, le man de Dieu. De rentrer, on voit. Que Conrad a fait comment? Que Conrad a fait comment? Qu'après que je vois les vidéos comme ça, que Conrad a fait comment? Il prenait l'argent depuis. Vous plaignez que c'est un gars. Moi, j'avais déjà dit ici, dans ma étonne de luxe, j'avais déjà dit ici que ce gars ne m'inspire pas. Parce que quand je vois ce que. Quand je me vois dans le miroir à cette période-là, je vois que mes grands frères, mes grands soeurs, tout le monde mangeait derrière ça. Et quand je vois Conrad, quand je vois Conrad arriver à l'hôpital, il est comme ça, il ne parle pas. Il laisse le travail là-bas. J'ai senti que lui-même là, un inspecteur de police, mon frère, c'est mon frère, j'arrête l'inspection de police là. J'arrête l'inspection, je ne fais plus ça. Vous allez sortir, mon frère. Mais il y a Anguille sur Roche. Depuis que j'ai connu ce gars, j'ai compris le nom de ce gars-là. J'ai pris ça comme mon grand frère. On tombait syncope jusqu'à la superfusion. C'est quoi cette connerie-là? Mais attendez un peu, dites-moi que je rêve quand même. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. Tell me that I'm dreaming. No, you're not. Il est presque minuit. On dort comment quand on a une information pour comparer? On attend le matin comment? Conrad est tombé dans un syncope. Non mais, je lance ce direct d'abord pour prévenir. L'argent qu'on a donné, si c'est même 10 francs, si c'est même 5 francs pour l'enfant là, tu peux d'abord remettre. Et je comprends pourquoi vos tribunaux, vous avez fait ce que vous avez fait à Kribi. Maintenant, c'est là où je comprends. Parce que depuis là, chacun me cache en fait. Comme vous voyez le combat si. Moi, je combats avec mon intuition. On me cache tout. C'est parce que vous-même, vous connaissez. Mais c'est parce que vous ne comprenez pas. Vous n'avez aucune. Vous n'êtes pas ouvert. C'est maintenant que les gens comme les. Vous restez tranquille, ça va s'empirer. C'est maintenant que les gens comme les One Love, les VP de Londres, les gens qui ne m'inspirent même pas, c'est maintenant qu'ils ont compris ça. Ça veut dire que vous avez le cerveau. Vous n'avez aucun, vous ne réfléchissez même pas. C'est maintenant que vous avez compris qu'il y avait quelque chose, il y avait une relation qui se passait. Quand nous, on a, le premier, deuxième jour, on avait déjà compris ça. Jusqu'on a créé le nom du film. On a même dit qu'on va faire le film. Je suis à Hollywood. On va faire le film là. On va faire le film là parce que nous, on voit ça. On va ajouter la partie de Conrad. Ce n'est pas un truc qui est différent, qui n'est pas. Quand vous avez commencé à comprendre que, oh, les One Love encore viennent poster sur sa page que, oh, même si tu me donnes 1 million, pourquoi tu as besoin de dire ça? Pourquoi tu as besoin de dire ça? Vous tous, vous êtes tous suspects. Vous êtes tous suspects. Pourquoi tu as venu me poser le domaine 100 millions? C'est comme si tu as dit que tu veux vraiment qu'on te donne 100 millions pour que tu arrêtes ce problème. On enterre parce qu'il y a deux groupes. Il y a deux groupes qui a porté plainte. Donc vous ne connaissez pas qui a porté plainte. Vous ne connaissez pas. Il y a un groupe à l'anonymat qui a porté plainte. Et ça va sortir. Les gens, le jour de la plainte, ces gens-là vont se mettre. Venez vous présenter. Même si vous êtes en Turquie, vous allez vous présenter là-bas. Vous allez venir au Cameroun. Les gens-là vont vous montrer les preuves. Ne croyez pas que quand vous êtes en train de bastonner le petit là, il y a Dieu. Dieu existe. Hein? Dieu existe. Dieu existe. La photo là. Ce n'est ni à l'hôpital, c'est devant la porte. C'est quand vous étiez en train de l'amener. Je
Ton roi n'a pas interdit Félix. Je parle même pas du deuil. Ce qui est sûr que cette femme-là, c'est sûr qu'elle date le coup qu'on appelle le sétive. Parce qu'il y a le sétive et le indica. Indica, c'est le genre qui te fait mélo, le genre que quand tu donnes un coup, que tu dates, ça te fait dormir, tu es relax. Mais le sétive, moi j'ai pris ça, man. Tu vas laver parce que tu penses que tu vas die. Tu penses que tu vas sauter les niveaux. Donc tu travailles. Donc il faut qu'elle ronde et vienne parler. Il faut qu'elle ronde et vienne montrer ses voitures. Ça a quoi voir, maman? Les voitures ont quoi voir? On est en train de dire qu'il y a un mort. Tu viens nous montrer les voitures. Tu viens nous montrer le petit. Deux gouttes d'eau. Ce n'est même pas de toi. Les deux gouttes d'eau, là, on connaît là où c'est. On connaît les deux gouttes d'eau là. Mettez-nous les deux gouttes d'eau là ici. C'est qui et qui? Mettez-nous les deux gouttes d'eau. Moi et ma soeur, on se ressemble comme deux gouttes d'eau. Non, il fallait dire que celui-là et celui-là se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On devait comprendre. Ne dis pas que moi et ma soeur se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ah, tu n'étais pas à l'hôpital. Tu n'étais pas ici. Tu n'étais pas là-bas. Et c'est vrai, tu n'es pas allé là-bas. Pour couvrir, on doit donner les faits comme ça se doit. Parce qu'il y a ces gens-là aussi qui se sacrifient pour vouloir connaître ce qui se passe pour le problème de Samy. On ne garde pas certaines informations. Parce que quand vous gardez les informations, les criminels, on avance. Non, la mère, on garde. On va garder. On va donner ça. Il y a les vraies informations qu'on va donner. Vous avez oublié parce que vous êtes tellement derrière que vous ne savez pas qu'il y a ce qu'on appelle le iCloud. Vous êtes tellement derrière que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le iCloud. Et le iCloud te donne tout. Tout. Je sais, mamie, Queen Diamond, je sais qu'il reproche quoi à l'enfant, que l'enfant l'a sabote. Pourtant, c'est la paix. Tout. Le iCloud montre tout. C'est quoi que vous m'aimez? Et en dehors de ça, il y a les photos que le gars même. C'est quoi que Conrad veut nous amener là? Que le gars même envoie même à ses potes. Il dit, gars, en moto. On va, on va acheter le gars. Ça va voyager d'ici après-demain. Et ça sera posé devant moi. Et avec ça, j'envoie ça dans les laboratoires. Je dis que, oh, je veux déplumer cette petite bémèche. Mais c'est quel manque de respect, ça? C'est quoi, ça? Aucun enterrement. Samy, ce n'est pas le truc que je vois souvent sur Facebook, que les gens lancent seulement les commentaires pour lancer. Aucun enterrement. Je crois que prêt, hein? Parce que maintenant que la pauvreté, la pauvreté, quand la pauvreté te prend, la guerre va commencer vrai, dans celui qui a... Vous êtes dans un pays où la justice n'existe pas. La justice sur Facebook. En temps normal, on sera en train de discuter, parler de Conrad, parler de ceci, laisser ces gens-là fuir. Présumé suspect, vous sortez du pays, ça veut dire qu'il n'y a pas de justice. Nous sommes les combattants de justice, de changement. Oublions l'affaire Samy. Oublions la mort. Parlons justice, puisqu'on parle de justice. Où est la justice dans cette affaire-là? Laissons l'affaire que c'est elle qui a tué, c'est pas elle que c'est ceci. Voilà le moment où maintenant nous, Camerounais, on va se mettre, on dit que on veut la justice. Voilà la justice ne veut pas dire voilà la justice pour Samy. Vouloir la justice ne veut pas dire qu'on veut la justice pour Karim. Ça veut dire qu'on veut la justice pour ce qui s'est passé. Que ceux qui supportent Karim viennent dire que justice pour Karim. Que ceux qui supportent Samy disent justice pour Samy. Que ce pays-là vienne et puis met les trucs ensemble, met les données ensemble et qu'on voit la justice. C'est ça qu'on en demande. On n'a pas besoin de dire que tel est Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke, mais je veux la justice.
Je fais la justice. C'est pas parce qu'elle est bambine. Elle me sert à quoi? C'était une sardine. Elle me servait à quoi? Elle a déjà fait quoi au Camerounais? En dehors de vendre son produit. Elle a déjà fait quoi au Camerounais? Oh, elle embauche des Camerounais qui vendent les produits. Elle embauche les Camerounais qui vendent les produits de dépigmentation ou de pigmentation. Les produits pour serrer les Jessica, les produits pour amaigrir, que moi je ne comprends pas. Ça veut dire que quoi? Pour tout ça, c'est du négatif. Tous ces produits-là, c'est le négatif. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Dieu t'a créé que ton Jessica, si tu forces beaucoup, ça va être ouvert, c'est le tunnel, ça va rester le tunnel. Si tu as commencé à prendre les gourdins dans ton Jessica, tu vas être dans ta tête. C'est dans ta tête, tu n'as que prendre les gourdins. Il n'y a pas question de que tu vas serrer. Tu sais quoi? Si tu as pris, tu ne prenais que les petits gourdins, ta tête va rager dans les petits, parce que quand tu vas toucher le gros, ça va faire mal. Quand tu as un gros Jessica, tu vas voir un petit, tu vas dire, c'est quoi ça, mon frère? Tu me chatouilles. Tu vas que chercher. Tu vas voir un gars comme ça, tu commences à le frôler. D'abord, il y a un gars que quand tu veux, il met un gars. Il frôle d'abord pour voir comment ça se fait. Après, quand il te dit, c'est là, regarde, laisse ça, dis-moi, mon frère, ce n'est pas le genre que je veux. C'est comme ça. Il y a aussi les mollets que quand ils arrivent quelque part, ils trouvent un gars que c'est le tunnel. Ils ne reviennent plus là-bas. L'engamant n'est même pas content parce qu'elle n'a rien senti. Vous vendez quoi? Si un gars a le tunnel, elle va rester que dans le tunnel. Laissez ça. Laissez ça. Si un gars prend, elle a le tunnel en bas là-bas, elle va rester que dans le tunnel. Elle va serrer et aller aimer les gars qui ont le tunnel. Parce qu'elle a son. On appelle ça quoi encore? Elle a ce qu'elle aime. She has her own fantasy. Elle a son goût. Elle aime les gros trucs. Tu veux aller demander qu'elle sait. Pourquoi quand elle vient entrer, ça se déchire encore? C'est quoi ça? Mettez le cœur, les gars. Les gars, la signale. On est là, on veut justice. On veut la justice. J'ai demandé une fois-ci qu'une fille me montre un produit. Les gens qui supportent. Qui la supporte là. Quand une dame me montre que voilà mon produit que j'ai acheté. Voilà mon produit carrément. Vous n'avez même pas ça. Vous n'avez même pas. Kia, vous n'avez pas ce produit là. Vous n'avez pas. Tout ça c'est du cognier. Tout ça c'est du cognier. Ce n'est pas ça qui vend. Ce n'est pas ça le marché. Tout ça c'est du cognier. Ce n'est pas ça le business. Quand vous voyez la collection Bertini, c'est partout. C'est en France, c'est partout. Montrez-moi les femmes qui ont le carimo. Donc, elle vend les produits pour maigrir. Pourtant, elle-même, elle n'est pas la même. Deux gouttes. Depuis le jour-là, que tu ressembles à ta soeur comme deux gouttes d'eau. Camerounais. Ta partie là seulement m'a tué. Tu ressembles à ta soeur. Donc quand ta soeur là venait, je l'ai vue. J'ai dit que tu mens, tu es une mytho. Tu dis carrément que tu n'étais pas à la plage ou sur la plage. Je vais mettre une vidéo que tu vas revoir. Partagez les gars. Il y a même une vidéo que tu vas revoir, ma soeur. La vidéo là, on ne va jamais. Là où tu me dis, tu dis que tu n'étais pas là-bas. Après, tu dis que tu es parti. J'entendais souvent. N'tatembonchola, meka. Je te montre la vidéo là.
Partagez les gars, on n'a même pas assez de partage, les gars. On n'a pas assez de partage. Partagez, oh, il faut qu'on framponne. Il faut qu'on leur montre qu'on ne peut pas enterrer Samy sans la justice. Jamais. Jamais. Samy et Martinez Zogo vont rester sur le même coin. On va les garder là-bas. Jusqu'à la justice. Même si c'est en 2025, quand le nouveau président va venir, on va garder là-bas. Hmm? On va garder Samy. La voici. Attendez, bientôt elle arrive. La voici, la voici. C'était avant la mort de Bob Lee. Merde, elle est où? C'était avant la mort de Bob Lee. Elle a dit qu'elle n'était même pas. Elle n'était pas là-bas. La voici. Un truc contre Karimou. J'ai l'impression que c'est plus un règlement contre Karimou. Karimou, écoutez, j'étais pas au lieu de l'accident. Je n'étais pas à l'hôpital en premier. C'est un médecin qui rédige que aller à l'hôpital de la caisse. Je n'étais pas dans le transport pour l'accompagner. Je n'étais pas à l'hôpital de la caisse. Hein? C'est-à-dire, j'ai l'impression que justice pour Samy, c'est plutôt transformé en tuant Karimou. Tuer pourquoi? On te tue pourquoi? Vous auriez on te fait tue pourquoi? À ma place, que vous auriez fait quoi? À ta place, à ta place, à ta à notre place, à ma place, on t'arrête, on te met en gâteau. Que tu aurais fait quoi? Je te mets en gâteau. Tous les frais médicaux, tu es avec ton photographe. Il sort. Tu ne sais pas qu'il est sorti. Il sort avec son ami. Ils partent au rallye. Tu ne connais pas. Tu es dans ta chambre. Tu penses qu'il est dans le salon. Il sort. Il va. On appelle seulement avec son téléphone. Son ami appelle avec son propre téléphone de ton photographe. On appelle pour dire qu'il a fait un accident. Tu te déplaces. Tu vas à l'hôpital. L'hôpital t'écrit que tu dois partir. Yaka, vous comprenez? Non, regardez encore. Elle dit quoi? Elle dit, je n'étais pas à l'hôpital, je n'étais pas au lieu d'accident, je n'étais pas à Yaoundé, je n'étais pas. Carrément, écoutez, je n'étais pas au lieu de l'accident. Je n'étais pas à l'hôpital. Partagez les gars. C'est un médecin qui rédige que aller à l'hôpital de la caisse. Je n'étais pas dans le transport pour l'accompagner. Je n'étais pas à l'hôpital de la caisse. Mais j'étais. C'est-à-dire, j'ai l'impression que justice pour Samy, c'est plutôt transformé en tuant Karimou. Vous auriez été à ma place, que vous auriez fait quoi? J'ai vraiment envie de vous poser cette question. J'allais me dire que j'allais me. Tu aurais été moi. Que tu aurais fait quoi? J'ai payé tous les frais médicaux. J'allais fermer ma bouche. Attends, tu es dans ta chambre. Tu penses qu'il est dans le salon. Il sort. Il va. On appelle seulement avec son téléphone. Son ami appelle avec son propre téléphone de ton photographe. On appelle pour dire qu'il a fait un accident. Tu te déplaces. Tu vas à l'hôpital. L'hôpital t'écrit que tu dois partir, qu'on doit l'envoyer à Yaoundé, à l'hôpital de la caisse. On écrit même un truc contre Karimou. J'ai l'impression. Donc, tu n'étais pas à la. Mais apparemment, la vraie vérité, c'est que il était à la maison. Il y a eu la bagarre à la maison. Parce que tu n'as jamais été à l'hôpital. Il n'y a jamais eu l'hôpital. Il n'y a jamais eu tout ce que tu racontes là. Tout s'est passé à la maison. Tu as pris le téléphone. On t'a appelé. On a proposé un hôpital à Yaoundé. Tu as pris l'enfant. Tu as amené dans ta voiture. Tu as amené à Yaoundé. Dis-nous pourquoi Samy est mort à Yaoundé.
Mais qu'est-ce qui a amené qu'est-ce qui a fait la, qui a tué Samy dans ta maison? Parce que pour moi là, il n'y a jamais eu l'accident. Samy n'a jamais été au rallye. Jamais. Jamais. Pour moi, Samy n'a jamais été au rallye. Samy était dans la maison là. C'est là-bas qu'on a, on a tapé avec les bâtons de baseball. C'est là-bas qu'on a fini le gars, dans la maison. Et les voisins qui nous ont appelés. Il y a les voisins, il y a un gars de creepy, pas loin de la maison, de ta maison, qui a appelé. Que quand, quand vous sortiez avec ce gars, il y avait un petit accoupement, il y avait un petit bizarre. Attends un peu. Attends une minute. Attends une minute. Il y avait l'accoupement devant le building. Il ne connaissait pas ce qui se passait. Jusqu'à ce qui s'est passé, ce qui s'est passé. Je vais mettre une minute. Le toit crie bien. Elle va vous expliquer. C'est une fille que... Mais parfois... Elle est mince. Elle a toujours été une fille que moi j'ai toujours aimée. Il y a certains trucs que je n'aime pas d'elle. Mais pour l'affaire Samy, si, je suis team. Et toi, Cribien. C'est là qu'elle soit même vraiment son vrai français. Hein. Je suis team. Je le respecte, mais je n'ai pas peur de lui. Même celui qui me promet la mort. Le dossier de Samy que vous voyez, ne voyez pas les gens vous menacent en direct. C'est le genre. Je vais même faire peur à ma grande soeur qui est là. Mais que celui qui me tue ne reste pas mourir. C'est le genre où dans mon sommeil, on peut envoyer les gens venir me tuer. En finir avec moi. C'est le genre où dans ma voiture, on peut envoyer quelqu'un me suivre. Et en finir avec moi. Mais qu'il en soit fait, selon la volonté de Dieu et non des hommes. Parce que je déclare que ma chair, elle est amère. L'homme de la terre ne va pas me tuer. Je partirai de cette terre, rassasié de mes jours. Mes étoiles d'amour, il paraît. Comme la première source. Et cette source que je vous donne, elle vient encore d'une personne honnête. Mais je ne sais pas si c'est confirmé. Mais je ne peux pas la confirmer. Je vais dire pourquoi je le dis comme j'ai dit tout à l'heure. En direct. Pour que les concernés sachent que rien ne se cache. Crédit est la base avant Yaoundé. Yep. Il paraît qu'il y a eu une intercation. Vous m'entendez? Vous me voyez? T'as suivi. Tu veux le vous dire ça, non? S'il vous plaît, mes étoiles. Il paraît qu'il y a eu une intercation. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails. Rentre. Comme je vous avais dit la première fois. Ouais, rentre. Non, aux États-Unis, on dit la vérité. Intercation veut dire qu'il y a eu la bagarre. Ça, non. Intercation veut dire qu'il y a eu la bagarre. Intercation. Elle aime sortir les gros mots, c'est ça que je... Intercation. Je crois que c'est ça. C'est ça, non? Et toi, Vous avez vu. Mais sauf que les gens ont pensé que ce n'était pas grave. Et à ce qui paraît, ce soir-là, les gens ont essayé d'appeler les médecins. Pourquoi tu dis les gens? Comme Samy a eu ce qui a eu comme intercation. Les gens ont essayé d'appeler un médecin. Il se faisait tard. Cette fois-ci, je suis tellement énervée, révoltée de mon pays, de la justice. Que mes frères, mes soeurs, mes étoiles d'amour, je vous parle, mais en mélangeant les paraboles. Ils ont essayé d'appeler la police, le médecin. Le médecin leur a répondu qu'il est trop tard. Le médecin n'a pas pu se déplacer. C'est pourquoi, mes étoiles, je vous promets, je n'invente rien. Je ne me permettrai pas. Je vous donne ce qu'on me donne. C'est pourquoi ça vous dit que. Attends. Je vous dis que c'est comme ça. Expliquez-moi à Altercation, la news lundi, comme tu es allé à l'école beaucoup. Je vous ai dit que il n'y a jamais eu la. Elle a dit les vérités. Sa première vidéo a dit toutes les vérités. Samy n'a jamais bougé de la maison. Samy n'a jamais bougé de cette maison-là. Ils
étaient tous dans la chambre. Peut-être quelque chose s'est passé. Puisque en avance, c'est elle qui envoie Samy d'aller chercher l'hôtel. D'aller chercher leur hôtel. C'est elle qui envoie Samy devant. D'aller chercher leur hôtel. C'est sûr que le moral là, fan, trouver, aller. Je ferai la même chose. Mais je ne tue pas une personne, je vous tue à deux. Je vous kilame à deux. Je ne kilame pas one. Donc toi, tu finis avec le gars, tu laisses ton gésier. Parce que tu avais peur. Tu avais peur. Maintenant, quand on vous voit, on sent la poupée sanglante. La robe, le diable always wear Prada. Le diable met toujours Prada. Vous savez quand la batterie meurt, ça meurt. À la résidence. Quand Camden arrive le matin à la résidence, c'est pour calmer Samy. Samy dit à quelqu'un, je ne vous donne plus les noms. Je parle du dossier de Samy. Je ne parle de personne d'autre. Samy dit à quelqu'un, je prie le Seigneur que ça sorte. Que vous gagnez. Que cet endroit que vous gagnez, mais que les Camerounais, les Africains, les Noirs qui nous regardent, sachent ce que c'est l'Afrique. Yep. Pourquoi nous sommes obligés d'immigrer ailleurs? Briser les lois étrangères au détriment des lois de ma patrie. Yep. C'est la patriote qui vous parle ce soir. Yep. À cause des injustices répétées. Des dossiers étouffés. Parce que celui qui se plaint est minable. Celui qui se plaint n'a pas les longs bras. Celui qui se plaint n'a pas d'argent. Samy aurait appelé Camden. Camden aurait débarqué dans cette résidence pour calmer Samy le matin. Samy aurait dit à cette personne que c'est à cause de toi que tout cela arrive. Si les autorités sont honnêtes, si les enquêteurs sont honnêtes qui sont sur le terrain, et que eux aussi découvrent ça, qu'ils disent la vérité. Parce que toujours est-il que ce n'est pas Kribi que Samy est décédé, c'est à Yaoundé. J'ai dit ça. Ce n'est pas l'intercation qui tue Samy. Si tout s'est avéré, c'est Yaoundé. Mais ce qui nous énerve, c'est que pourquoi on est obligé de nous cacher la base. La base. Yeah. Ça peut arriver. Pourquoi vous cachez la base? Pourquoi vous Samy montez les fausses vidéos? Que c'est à cause de toi que ça arrive. Tu n'étais pas obligé de me mettre ici. Selon les dires, les Tintin voient les dires, elles parlent selon les dires. Je sais pourquoi je m'assois. Il y aurait eu l'arrangement qu'il y a eu. On a donné à Samy entre 1 million et 1 million 300 pour calmer Samy. Entre 1 million et 1 million 3. Je vous ai dit ça ici, non? Qu'on nous a dit ça aussi. Qu'on a voulu le corrompre. 1 million, 1 million. Voilà, si je vous parlais de deux, moi, c'est au moins 5 millions qu'on va me donner. Je ne laisse pas. C'est un bon Jésus, je ne laisse pas. Je vous fais le chantage. Tu me donnes 5 millions, mon frère. 1 million, c'est quoi? T'as un obsédé, t'as un meilleur la magie seulement. Tu veux me donner seulement 1 million. Tu es malade. C'est 5 millions. T'as un meilleur 5 millions parce que. Ça avait 5 millions, je peux aller même aux États-Unis. Je m'en vais vivre là-bas. Même pas en Turquie. Même 5 millions, c'est petit. Même 10 millions. Mais le gars n'est pas sage. 10 millions. Mais quand elle a demandé de help, donc tout l'argent qu'elle n'a pas dépensé là. Elle peut prendre les 2 millions là maintenant. Elle prend l'argent là. L'argent qu'on devait donner, elle paye l'hôpital avec. Donc peut-être c'est les dollars qu'elle a même payé l'hôpital. Et Samy est mort sans même rien. Et le problème que Conrad aussi n'a rien. Félicia n'a rien. Félicia même. Qu'est-ce que toi tu peux être, on prend ton enfant, on donne quelque part, toi tu n'es même pas au courant, maman. Ça veut dire que
que même toi-même, tu te dis chargé. Parce que toi-même, tu chopais un peu les dos là-bas. Je pense que même toi, tu chopais un peu les deux. Parce que pourquoi l'Angola ne t'a pas appelé? Quand tu gardes ton enfant là-bas, tout ça, c'est un week-end. Ça veut dire que, ou alors tu étais, vous deux là, il y avait les problèmes d'Enga. Elle ne t'a pas appelé quand il y a eu accident. Mais je suis sûr que tu chopais quand même les dos là-bas. Que quand ton enfant arrive là-bas, on envoie un bidi, main levée, même voilà, même un sang, même, donne à ta mère là-bas. Ce qui est sûr. Ce qui est sûr, qu'un bindi 100 000, carrément pouvait donner un bindi 100 000 à l'enfant que, quand tu arrives à la maison, comprends, on t'amène à l'école, on te donne les petits, trucs comme ça là. Mmh. 100 000 quitte cette résidence. Si Samy avait donc 1 million ou 1 million 300 dans ses poches, qui a l'argent de Samy? Qui a pris l'argent de Samy? Parce que si Samy a eu cet argent, il n'a pas eu le temps d'aller à la banque. Il n'a pas eu le temps d'aller déposer ça. Mes étoiles, il y a eu une thèse comme quoi il y a des photos. Cette thèse, enfin, des révélations comme quoi il y a eu des photos. Mais tiens, beaucoup là. Où Samy jouait les amoureux. Là, je vais donner le nom avec Karim Mongwe. Je ne peux pas soutenir ça. Je ne peux pas confirmer ça. Mais tu, tu n'as pas vu. Vous entendez? J'ai demandé à voir ces photos au grand frère de Pédélo. On attend. Il m'a dit que par respect pour la femme, il ne peut pas m'envoyer. Non, je ne peux pas venir faire semblant. Vous m'en dites que j'ai vu. Ce serait aller contre mes valeurs. Ce serait aller contre la soif de la justice. On ne cherche pas la justice avec le mensonge. Je ne peux pas. C'est pourquoi lors de mon dernier live, vous m'avez entendu dire si. Parce que dans ce dernier live, j'étais censé causer avec le grand frère de Pédélo le lendemain et il me montrait les vidéos après qu'on lui a donné l'autorisation quelque part. Mais je ne vous, dis pas qui. Jusqu'ici, le grand frère ne m'a pas montré ces vidéos, ni ces photos. Je ne peux pas vous confirmer que c'était de ce côté-là. Karine était en couple avec Samy. Je ne peux pas. C'est que vous ne connaissez rien. C'est que moi, je vous donne comme source là. C'est que vous ne connaissez rien. C'est que vous n'avez pas encore. Si vous n'avez pas compris qu'il y avait un truc. Il y avait une relation. Si on n'avait pas compris que c'était tellement fort que même le Mola, même le White a commencé à Touma, l'Anga de Samy, pas Félicia, l'autre là, pour montrer. Vous n'avez pas vu, vous vivez même où, non, mon frère? Vous n'avez pas vu que les gens, les choses, ils ont une empire. Ils ont une empire, ça veut dire que c'est pour eux. Ils ont des trucs mystiques entre eux. Peut-être qu'ils ont signé le pacte, mais le pacte est cassé. Là, ils ne peuvent pas se séparer, ils sont là. Je connais les gens. J'ai une cliente que j'entraîne à Hollywood ici. Son mari dort au salon. Son mari dort au salon parce que la maison où il dort, écoutez bien. Son mari dort au salon. Nous sommes allés visiter la maison là. Avant-hier Fleur de Lille pour son anniversaire ce samedi. Son mari dort au salon. Nous sommes allés visiter, on voulait utiliser cette maison. C'était l'une des maisons où on allait visiter à Hollywood. Très belle maison, avec piscine et tout. C'est là où on voulait faire l'anniversaire de Fleur, de Fleur de Lille. Alors, la maison est au nom de l'enfant. C'est un luxe de parler. Autant lui ne dit pas, parce que j'ai la troisième partie. La maison est à l'enfant. Tu m'écoutes, non, toi, et tourne lui. J'ai un client. J'ai dit, le mari dort au salon. Parce que la maison est au nom. La maison coûte 2 millions de dollars. Ils ont mis ça au nom de l'enfant depuis 10 ans. L'enfant a 14 ans aujourd'hui. Tu sais ce que l'enfant a la maturité pour vendre ce truc. Donc, ils ne peuvent jamais se séparer. Donc, je sais que
Le gars aussi commençait à faire mal à Samy. En tout moyen, la petite là, Sanga. Pour faire mal. En même temps, ils ont fait un complot. C'est pour ça que, à la mort de Samy, vous vous rappelez, à la mort de DJ Arafat, on a pris le gars là pour le cellulaire, non? Le cellulaire, c'est tout, iPhone. À la mort de celle de Samy, ils ont cru qu'ils ont effacé jusqu'à prendre la fille, vouloir prendre la fille amenée en Turquie. Quand ils ont effacé tout. Samy avait déjà choqué certains de ses amis que, gars, c'est moi qui gère le dossier là, en solo. Voilà une bindi photo pour te prouver que l'Angala montre ses formes là, ses belles formes là, gars. J'ai déjà vacciné ça. Nous les gars, on a ce truc là, non, mon frère. Il y a des trucs que nous montrons à nos potes. Même quand on dit que, gars, j'ai dit que j'ai connu Kim Kardashian, tu veux discuter, man. Voilà Kim, je vous envoie les photos. J'étais avec Cardi B dernièrement le week-end passé. J'ai dit aux gens, il fallait que je pousse à Instagram pour que les gars voient que, oh, que voilà Cardi B. Tu connais une garde, tu connais Kim Kardashian, tu veux dire à ton pote camerounais, africain, villageois, qui ne connaît pas ta valeur, que tu connais Kim Kardashian, il veut discuter, tu dis Mbini Kavala, tu le choques les photos, il voit. On a ça, les gens ont ça au Cameroun. Même ceux qui n'ont pas de cellulaire, ont ça. Étant donné que j'ai envie de parler aussi du maire qui est en danger, là, le maire qui venait de la. De, le maire des Eka. Vas-y, ma mère, vas-y. C'est que tu es dans l'affaire de Samy là. Quand on va seulement voyager pour le Cameroun là. Vas-y. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour.